Ce dimanche 20 août, dans 7 à 8 sur TF1, Audrey Crespo Mara revient avec un portrait de la semaine inédit consacré à Camille Cotin. Lors de son échange, l'actrice a dévoilé un complexe physique, qu'elle n'a pourtant jamais souhaité modifier. Après une pause estivale, l'émission 7 à 8 est de retour sur TF1 ce 20 août avec des reportages inédits et un portrait hebdomadaire préparé par Audrey Crespo Mara, l'épouse de Thierry Ardisson. Pour son premier entretien de la saison avec une célébrité, la journaliste a sélectionné Camille Cotin, l'une des actrices de la série 10% diffusée sur France 2, mais également reconnue pour ses rôles au cinéma. Récemment, l'actrice a élu domicile à Hollywood. En plus de collaborer avec George Clooney et Jean Dujardin pour une publicité, elle a charmé Brad Pitt, qui a exprimé son admiration pour elle dans une interview. Camille Cotin s'est confiée sur sa carrière à Hollywood. Oui, j'avais lu ça. Si estime ma belle-mère qui m'a envoyé l'article. Eh bien, ça fait très plaisir, a répondu Camille Cotin lors de sa discussion avec Audrey Crespo Mara. Même si elle est l'une des rares actrices françaises à avoir percé à Hollywood, Camille Cotin n'éprouve pas de fierté à ce sujet, comme elle l'a expliqué par la suite, on n'est pas non plus dans un contexte où on sauve des vies, où je pourrais dire, je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli, car je sens que j'ai fait quelque chose d'important. Je ne suis pas là. Si est plus personnel. Cela m'apporte de la joie, de l'excitation, de la curiosité, cela renvoie à l'enfance. Oui, si est ça, un plaisir simple et pur. L'actrice explique pourquoi, malgré son complexe, elle refuse la chirurgie esthétique lors de son échange avec Audrey Crespo Mara. Camille Cotin a été interrogée sur son physique atypique d'après Fabrice Luchini. Quand j'avais 18 ans, mon grand-père que j'adorais m'avait dit « je vais t'offrir une opération du nez si tu veux », se souvient l'actrice, qui reconnaît alors avoir été complexée par son nez. Oui évidemment, à l'école c'était compliqué. Je me souviens, je parlais comme ça, elle se cache le nez, note de la rédaction, à mon voisin de classe et quand j'ai commencé à tourner ça n'avait plus tellement de sens de changer de tête et puis si je dois être tout à fait sincère le fait de pas tellement savoir ce que ce sera et puis demain ne remettre à quelqu'un que je connais pas qui va se mettre à me dessiner un nouveau visage, je suis pas fan du concept, si est-il juste que je suis peureuse, conclut-elle en riant.